Dans l'image que vous regardez là, vous avez deux parties. Une partie à gauche, une partie à droite. Et dans la partie à droite là, il y a une lumière qui a brillé. Eh bien, la lumière ça représente bon Dieu. D'après 1 Jean 1er verset 5. Dieu, son Dieu qui est parfait, un Dieu qui est sans péché. D'après Somme 18 verset 30. Bon Dieu remet nous. D'après 1 Jean 4 verset 9 jusqu'au verset 16. Bon Dieu, pas t'avé nous péri. Au contraire, il t'avé nous la vie qui pas jamais fini. D'après 2 Pierre 3 verset 9. Et dans l'image ça qu'on regarde là, la partie à gauche là, on prend un jeune homme qui campait. Eh bien, jeune homme ça a représenté même ensemble avec vous. Et après derrière, il y a une partie qui est noire. Et une partie qui est noire, ça représente péché. Qui ça péché? Péché, c'est tout ça bon Dieu dit nous pas fait et puis nous-mêmes nous faisons. Il dit dans Romains 3, verset 23, nous tous péché, mais nous vivons nous par bon Dieu. Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Péché nous fait séparer nous de Dieu. Et si vous regardez l'image, ça, vous avez un monde qui est sur une croix. Eh bien, le monde, ça représente Jésus. Jésus mourit pour pécher nous. C'est ça qu'il dit dans Romains 5, verset 8. Romains 5, verset 8, il dit que mon Dieu, Jésus mourit pour pécher nous. Et il dit dans 1 Jean 4, verset 2, mon Dieu, remet nous, les voies seulement petites. Jésus-Christ pour lui mourir pour nous sur la terre. Qui est-ce qui était capable de faire comme ça? Au moment comme ça, qui m'a dit là, une graine petite. Donc, graine petite. D'accord, bagage sacrifice pour que le bal mourir ou qu'on le bal mourir pour accepter bail. Et bien, bon Dieu te fait ça, oui. Il va seulement grand petit Jésus-Christ pour te venir mourir sous la croix pour nous. Et il dit dans Jean 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Seulement grand petit lien pour accepter bail pour être capable d'effacer le péché. Qui go bagage ça, oui. Wow. Et dans l'image, ça, on va avoir deux soldats et puis il y a un tombe. Jésus enterré dans tombe ça. D'après 1 Corinthiens 15, verset 3-4. Ils ont enterré Jésus, ils mettent dans tombe. Et il y a deux soldats qui ont suivi le corps de Jésus. De façon dont on va vivre le corps. Ça que nous lit dans Matthieu 27, verset 59. Après 3 jours, Jean s'est annoncé que Jésus vient pour mourir et il a persisté après 3 jours. Bon Dieu voyait un ange pour venir rouler roche là. Et soldats qui étaient là, qui voyaient bagaille ça, ils ont couru, ils allaient. C'est ça que nous lisons dans Matthieu 28, verset 2 jusqu'au verset 11. Et l'image ça a regardé là, on pourrait, et son personnage qui avait deux mains. Le personnage ça représentait Jésus. Bon Dieu, levé Jésus vivant dans l'homme. C'est ça que nous lisons dans Matthieu 28, verset 6. Et tout de suite après, dans quelques jours, Jésus monté dans le ciel. C'est ça que nous lisons dans Luc 24, verset 50 à 51. Jésus payé pour le péché. Il vint sur la terre et il sorti vivant dans l'homme. Wow! Imagine l'homme ça que vous regardez là, c'est vous-même. C'est vous-même ensemble avec nous. Et que sous ça que la marche là, c'est Jésus. Et il dit dans Jean 14, verset 6, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc, pour arriver à joindre Papa, qui c'est mon Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Il faut sous le chemin Jésus-Christ pour arriver à joindre Papa, qui c'est mon Dieu. Bon Dieu, permettre que le péché nous pardonne par Jésus-Christ. Le fait qu'il t'ait voué sur la terre pour te mourir pour nous, pour être capable de passer tout péché. Faire tout bagaille, ça n'a pas suffi. Ou de choisir de mettre la foi dans Jésus, croire dans lui, pour le sauver de tout péché. Si vous pas fait route ça, pour croire dans Jésus, eh bien, péché n'a pas effacé. C'est ça qu'il dit dans Hébreux 4, verset 2. Il dit dans la Bible, dans Jean 3, verset 36, celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Et il dit encore dans Romains 6, verset 23, car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle
en Jésus-Christ, notre Seigneur. Qui choix que vous fait? Est-ce que vous choisi accepter Jésus pour péché vous capable et pour capable de la vie éternelle, on la vie capable jamais fini? Ou du moins, est-ce que vous rejeté Jésus ou pas accepté pour souffrir éternellement, côté que vous pourrez brûler éternellement? Ou avez-vous du fait sous vous qui pas jamais éternel? Kounia, question bien pour vous, est-ce que vous voulez accepter Jésus Kounia capable de sauver? Eh bien, si la réponse est oui, il dit dans Romains 10, verset 9, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu confesses avec bouche que Jésus c'est Seigneur, et si tu crois dans ton cœur que mon Dieu t'a ressuscité Jésus parmi les gens qui mourent, eh bien, tu seras sauvé. Si tout bon vrai, tu as accepté Jésus, eh bien, fais prière sans ça. Merci parce que moi-même, je reconnais que je péché contre toi. Je crois que Jésus est mort sur la croix pour pécher mieux et qu'il est ressuscité parmi moi. Je mets toute confiance dans lui pour pardonner mes sauver de péché mieux. Je reconnais que Jésus est Seigneur. Merci pour la vie éternelle. Je prie au conseil dans le nom de Jésus. Amen. Et si toutefois que tu fais prière ça ensemble avec moi, ma foi connaît que je dis à même ces petits bon Dieu. Il dit dans Jean 1er verset 12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Et bien je dis à même ces petits bon Dieu. Bienvenue. Premier conseil que pour vous, c'est pour vraiment bon Dieu, vraiment tout le monde. Il dit dans Matthieu 22, verset 37 à 39, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force, et ton prochain comme toi-même. On voit ça dans Matthieu 22, verset 37 à 39. Et deuxième conseil que je vais vous donner, c'est pour lire la Bible. Commencez avec l'évangile Jean. Commencez à lire le livre Jean. Il dit dans Jean 14, verset 23, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et troisième conseil que je vais vous donner, c'est toujours être dans la prière. Capable de prendre comme échantillon et prier notre Père qui est aux cieux. Prier ça, je pense que nous connaissons. Pour prendre comme échantillon, pour capable toujours être dans la prière. Et troisième conseil que je vais vous donner, c'est aller à l'église. Peut-être vous êtes capable de poser une question. Bon, dans quelle église même vous allez? Eh bien, je dis que aller dans l'église, côté que la Bible, c'est autorité dans l'église. Côté que tout ça que vous avez dit, c'est selon la Bible. Je vais dire dans quelle religion, je vais dire ça. Mais aller à l'église, côté que la Bible fait autorité. Et puis, priez bon Dieu sur ça, tout comme ça que la guide vous. Et puis dernier conseil que m'a ba ou, c'est pour partager bonne nouvelle ça avec amour avec l'autre monde avec qui pour convertir qui pour accepter Jésus, parce que c'est ça qu'il dit dans Marc 16 verset 15, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création.